Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Odnil. On se retrouve ce soir pour un petit jeu qui se nomme Apparition sur Nintendo Switch. Il est offert actuellement dans le cadre du calendrier de l'Avent de No Gravity Games. Donc on va tester tout de suite ce que ça vaut. On est dans le noir, c'est censé être du coup un jeu d'horreur survie à la première personne. On va tester ça. Donc actuellement il est en promotion à 2,99€ au lieu de 10€. Donc on va voir si ça vaut le coup de l'acheter. Ou pas, il prendra normalement 1,2 Go sur votre Nintendo Switch. Donc c'est parti, on teste ça tout de suite. J'espère que je vais pas faire trop de gros bonds. Ou peut-être qu'on va arrêter au bout de 5 minutes parce que ça fera pas du tout peur. I'm a paranormal investigator. Many don't understand what my profession's about. It's basically looking for paranormal evidence, finding it, collecting it, and selling for a relatively good amount of cash. For many years, I've been traveling all over the continent, documenting all kinds of paranormal phenomena. Work's become a routine for me. I comb through social media in search of places with unexplained stories of disappearances and murders. I go there whenever I get a chance, set up the equipment, and wait until something unusual happens. My next target is Green Creek. I've been preparing for this place for quite a while now, studying its rich history. In the 2000s, a murderer named Plague had killed countless people over the years, and until recently, many tourists were considered missing. On top of that, Plague is still on the loose, so it'd be safe to assume it's all his work. Or is it? Now it's my chance to find out who or what is behind these disappearances. Oui, le jeu est tout en anglais, hein, par contre, il n'y a pas d'autre traduction. Jumpscare, ouais. Juste monter un tout petit peu le son. Histoire de bien entendre. Peut-être mettre la caméra hop, de ce côté-là, on sait jamais. Alors on peut choisir notre équipement, une caméra, un journal. Moins 500. Donc on doit avoir peut-être des points au fur et à mesure à chaque fois qu'on meurt. Choisir le livre qu'on veut prendre. Donc celui-ci contient des informations importantes sur l'investigation. Un spirit board, ok. Un space usage souvent, ok, parce qu'on aurait du coup de la place dans son sac à dos. On va partir avec l'équipement de début. Donc on a un petit briquet. Allez, écoutez, on va partir comme ça. Et on va voir ce que ça donne tout de suite.
pense à la bougie. Ok, donc notre job c'est de trouver le plus possible de preuves du paranormal. Ok, donc il faut prendre des photos de tout ce qu'on peut trouver ou même des enregistrements. Ok. Comment est-ce que je change d'objet? Ok, ça pue du cul, on a entendu un truc déjà là. Comment je remets la bougie? Ok, en fait j'ai remonté dans la voiture, je suis reparti. Oh, ça va, ça fait pas si peur que ça. Chargement. Alors je vais redébarquer avec ma petite bougie. Ok, donc là on ouvre le journal. Ok, ok, moi je veux bien prendre des photos, mais avant de prendre des photos, il faudrait déjà... un autre truc que ça. Alors contrôle walk, saw, crunch, pause menu, journal. Inventaire. Le souci c'est que j'ai rien, pas de caméra, rien du tout. Mais ils vont en pouillave si j'ai pas de caméra. Bon bah il y a une cabane, on va essayer de trouver un truc là. Ça
je referme l'arme ou pas? Allez, on ferme. Trace de sang. Il y a 8 milliards de boulons, quoi. Qui vient de se déplacer là. Pas fou, il y avait un vase qui était ici là, on est d'accord. Une batterie, ça peut toujours servir pour un jour quand je trouverai l'appareil photo. Ok, Ken Sifa. Ok. Ça, ça nous dit du coup si on croise elle. Elle ne voit pas très loin, faut rester baissé. Danger moyen. Vitesse moyenne. Ok. J'espère qu'on va pas la croiser là. Encore un petit peu de trace de sang. De jet, ça va être plein la gueule. On va pas prendre les autres bougies. Zéro. Ça faut que je l'équipe en fait. Ouais, voilà, en fait, elle n'est pas équipée de caméra. Voilà, on équipe. Il faut qu'il est équipé. Ça, on va prendre ça. Ok, on va partir avec ça déjà. Bon, on a déjà la caméra, là c'est bon. Allez. Donc cette fois-ci, on a bien pris les équipements, ça ira beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux, je sais pas, mais en tout cas, on pourra prendre des photos. Alors, on va essayer peut-être de pas rester dans la maison. Tracer dans la forêt, je sais pas si c'est une très bonne idée non plus. Ou on trace à la voiture dès qu'on entend un cri. Alors là. Ah, donc là on peut prendre l'appareil photo.
hache. Sauf que ouais, ça va vider ma batterie, je suis déjà plus qu'à 3 bûchettes, ok. Oh putain, oh. Ok, c'était pas du tout prévu ça. Ok. Allez. C'est bien mon cœur qui bat là. C'est bien celui-ci qu'on entend. Est-ce qu'il y a les mots qu'on a vus tout à l'heure? Non, ils ont bougé, ils sont plus là, ou alors c'est parce que je les ai déjà pris. Oh putain, maintenant je... J'ai plus de batterie. Ok, on peut prendre des pierres. Ouais, j'ose plus rentrer dans la maison là. Je vais pouvoir remettre une batterie, mais je crois que j'en ai que 4. Ah, en plus ça recharge qu'à 50%, ok. Est-ce que si je meurs, je vais garder mes 30... Les 30 points que j'ai gagné là-haut. Oh putain, c'est pas bien. Bien, on va m'approcher de lui. Non, je suis pas en lui. Il y a vraiment des gens qui font du Ouija. Moi, je vais pas me faire du Ouija. Dès qu'il y a l'appareil photo, là, il n'y a plus personne. Hein. Elle est 1h08, l'autre elle arrive plus, bien sûr. Elle attend que je sois dans la maison quoi, pour venir. Putain. Ok, bon, on a collecté 30 points, expérience plus 30. Et c'est pas gagné, on va s'arrêter là. Mon cœur ne va pas suivre.
Je vous laisse tester l'expérience, hein, si vous voulez, 2,99€ sur le Nintendo eShop. Ça peut faire un petit peu peur, hein, mais je suis pas le bon public, hein, ou très bon public, au contraire. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.